on va changer d'interprète. Et on va inviter Bertie Josberg, qui est traductrice. C'est elle qui traduit Luis Sepúlveda, Nacho Letelier, Ángel Parra, Díaz Heredero, etc. etc. No es ella la que traduce. Es la bestia que traduce. A Patricio Mas. El único libro que está traducido al francés, que se llama Cavalier seul. Él va a nous lire de préface de Francisco Colón. J'ai choisi de vous lire la présentation de ce livre par Francisco Colón, parce que ce sont deux hommes du Sud, et parce que bon, le prestige de Colón est rejailli sur cette première œuvre de Patricio Mans, qui s'appelle en espagnol « Relación a Contraluz », contrairement, je ne sais pas pourquoi en français on l'a appelé « Cavalier seul ». Naviguer de conserve signifie que les capitaines de deux ou plusieurs bateaux qui suivent la même route se promettent une assistance mutuelle en cas d'agression ou de naufrage. C'est ainsi qu'avec Patricio Mans, nous avons navigué dans la vie depuis que Liana et moi l'avons rencontré la première fois dans le vieil hôtel à Soca du port d'Ancud, alors capitale de la grande île de Chiloé. Il devait avoir dans les 16 ans. C'était un adolescent costaud, à la tignasse broussailleuse et aux yeux brillants. Comme il se tenait main derrière le dos, je lui ai demandé sans préambule. Alors, où est-il ce manuscrit? Il s'agissait de sa première nouvelle, La pluie dans le filet, et il voulait avoir notre avis. Il revint le lendemain et je lui déclarai en toute sincérité. Que veux-tu que je te dise, petit? Tu écris mieux que moi. Je revois encore son sourire hésitant, ses lèvres serrées d'adolescent, partagé entre la timidité et la fierté. Je ne sais pourquoi il me fit penser au jeune Bertolt Brecht, et aujourd'hui encore, je l'associe étrangement au dramaturge allemand. J'emportai sa nouvelle à Santiago et la donnai à lire à l'écrivain costaricien Joaquín Gutiérrez, prix national de littérature dans son pays, qui rédigea une critique élogieuse dans le journal El Siglo. Ce devait être autour de février 1954. La nouvelle fut publiée dans El Siglo quelque temps plus tard. Il me semblait que la poésie, la musicalité et la profondeur de sa prose jaillissaient d'une zone obscure de la sensibilité du jeune écrivain, envahissant son cerveau, son esprit, tel un torrent. Le romancier suivit ensuite une route ascendante et forgea son propre destin littéraire. Le voici aujourd'hui, naviguant de conserve en compagnie de deux personnages extraordinaires. Le premier, Julio Popper, européen arrogant et contradictoire, intellectuel, guerrier brutal et vulnérable, chasseur d'Indiens, chercheur d'or en terre de feu, et trouveur de la plus absolue solitude qu'un homme ait jamais rencontré sous ses latitudes. Le deuxième se nomme Glimis Winterly, indienne Selknam, belle et rebelle, captive et dominatrice, seul être humain qui ait aimé Popper, même si cet amour a pris forme dans les obscurs souterrains du syndrome de Stockholm. Cette histoire se déroule dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et je déclare sans la moindre hésitation que jamais, dans aucun des deux hémisphères, je n'ai lu un roman aussi généreux que celui-ci. On dirait une histoire imaginée par Stevenson, mais à laquelle Borges, Faulkner et Freud auraient prêté leurs rêves et leurs obsessions. Et je déclare aussi que vient de naître un inoubliable personnage de roman, Glimis Winterly, le nom avec lequel Darwin a baptisé le magnolia sauvage de la Terre de Feu. Tout cela, je l'ai dit à Patricio après avoir lu Cavalier seul. Et je lui ai appris au passage que le magnolia sauvage de la Terre de Feu avait été la seule nourriture des dinosaures qui vivaient avant la glaciation de Wurm. Dans ce livre, mythes et merveilles nous assiègent, nous harcèlent, nous assaillent. Sur la plage de la Faca Morgana, que Popper appelle le mirage,
Dreamies danse nue, secouant sa chevelure blanche et fredonne la chanson des pierres flottantes à l'oreille de l'exterminateur de ses frères. Mais ce chant, qui contient un mystère millénaire, le cavalier solitaire ne l'écoute pas et le laisse se perdre à jamais dans les ténèbres du sommeil, alors que la jeune indienne lui avait révélé les mystères de l'ancien printemps du Sud et des grandes barques de glace qui venaient s'écraser contre le Cap Horn, où se trouve, au dire des vieux marins, la sépulture du diable. À l'abordage donc, harponneurs d'aventures et d'histoires, n'oubliez pas anémomètre et longue vue, tenez-vous prêts à découvrir le secret de ces deux cœurs à contre-jour, cosmiques et terrestres, amis des cimes et des vagues, sublimes et tristement humains, purs et ignobles, qui ont vécu furieusement leur vie là-bas, au bout du monde. Là-bas où les héros, les légendes, les mythes et les fables survivent aux hommes qui les ont rêvés, racontés ou incarnés. Dans ce voyage, il est conseillé de lever les yeux sur la scintillante Orion et sa verte Rigel qui grelotte au-dessus de la cordillère des Andes et qui, selon les savants, apparut en même temps que l'homme et s'en éloigne au fil des siècles, tout comme Julio Popper, page après page, s'éloigne de son rêve secret, tandis que la rousse Bételgeuse se rapproche de nous. Mais attention, lorsque sa proue s'enfoncera dans le bouillonnant cauchemar du Pacifique Sud, Rigel indiquera le nord et Bételgeuse le sud. Jusqu'à notre prochaine rencontre, Patricio Mans entonnera la chanson des pierres flottantes en hommage aux magnolia sauvages de la Terre de Feu dont se nourrissaient les derniers dinosaures et à la magnifique chamane nue à la longue chevelure blanche qui chassait le guanaco, escaladait l'eau des cascades, capturait les autruches à la course, imitait le chant des oiseaux et le langage des dauphins, pouvait rapprocher d'un regard les deux rives d'un fleuve et qui répondait au nom de Dreamies Widow. Elle mérite aujourd'hui, grâce à Cavalier seul, roman magique, d'être aimée par tous ceux qui se tiennent à pied ferme sur la terre des rêves et qui rêvent encore.